Journaliste pourchassé par la police à Bomanjan, c'était le 3 mai dernier, journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes s'y étaient rassemblés pour la déclaration relative à cette journée-là. Un représentant des syndicats interpellé à Douala, la place de la Bisséké, lors de la célébration de la journée internationale des droits des travailleurs. On parle également des inscriptions sur les listes électorales. Paula Tanganji, le ministre de l'administration territoriale, s'invite au débat et interpelle les acteurs politiques sur le caractère républicain des inscriptions sur les listes électorales. Ça reste un acte libre et non obligatoire. Et dans le même temps, des partis politiques de l'opposition contestent les chiffres de l'ECAM. L'effectif publié ne reflèterait pas la réalité des inscrits sur les listes électorales. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est jour de rétro, nous vous disons. Merci de nous témoigner à nouveau votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire qui revient sur les faits marquants de l'actualité de la semaine. Le secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun, il est Hamekoué. C'est notre invité pour cette édition de la rétrospective de l'information. Hilaire Hamekoué, bonjour et bienvenue sur le plateau de la rétro. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne verte. Bonjour à ma fille chérie. Merci beaucoup, j'en suis ravi. Alors, vos camarades et vous venez de prendre une part active à la célébration de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Qu'est-ce qu'on en retient? On retient que, une fois de plus, la preuve a été donnée que ce que nous disons depuis longtemps est véritablement effectif, c'est-à-dire que la liberté de la presse au Cameroun, c'est un leurre. Parce que un 3 mai, ou au niveau de toute la communauté internationale, dans le monde entier, il y a une célébration qui se passe, et qu'au Cameroun, on puisse brutaliser le journaliste ce jour-là même, est une preuve que dans notre pays, la liberté de la presse est encore une conquête à distance. Le sous-préfet a souhaité que la manifestation se fasse plutôt à Bonapriso plutôt qu'à Bonanjo. Pour vous, quelle est la place symbolique ou que représenterait Bonanjo dans le subconscient d'une autorité administrative de cet acabit? Non, déjà, il faut dire que le sous-préfet est hors la loi. Parce que la loi 90/055 du 19 décembre 1990 est claire sur les dispositions qui encadrent les réunions publiques. Et cette loi-là, dans son article 3, dit clairement que les réunions publiques, quel que soit leur objet, sont libres. Le régime de la déclaration. Bien sûr, tout à fait. Mais les organisateurs doivent déclarer au préalable cette réunion. Et le syndicat national des journalistes l'a fait, a fait cette déclaration. Mais nous n'avons pas compris pourquoi. Non seulement on nous a chassés de la place où nous le faisions tous les ans, parce que ce n'est pas la première fois que nous le faisons, mais aussi le sous-préfet était décidé à nous envoyer ailleurs. Donc, nous nous posons des questions. Alors, pourquoi ce contournement permanent de la loi ? Avec en bonus la répression sur la personne des journalistes. Tout simplement,
Je ne sais pas, ça doit aller trouver son explication dans le fonctionnement même de notre pays depuis longtemps. Parce qu'on a l'impression que des forces obscures sont en train de se donner une concurrence. Et la question que nous nous posons, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans ce comportement une volonté de ternir l'image du pays? Parce qu'un 3 mai, dans le monde entier, les caméras sont focalisées sur la presse. Qu'un fonctionnaire décide ce jour-là de poser un tel acte qui ternit l'image du pays, le pays où nous sommes en train de nous débrouiller pour que le Cameroun remonte au moins dans le classement, dans le ranking de Reporters sans frontières. Nous sommes passés de 118e place à 138e place. On a perdu 20 points. Dans, au moment où on devait se débrouiller pour qu'on remonte, on pose des actes qui nous font plutôt dégringoler. Alors, nous allons retourner sur cette célébration proprement dite. C'était vendredi dernier à Douala, à Bonanjo. Nous revenons derrière pour des analyses et des commentaires. Une image pour exprimer et condamner des actes de musellement dont sont victimes des journalistes au Cameroun. Tout citoyen de noir vêtu est soupçonné ce vendredi matin à Bonanjo d'être journaliste et devient aussitôt la cible de la police. Nous voici à la place du gouvernement, une autre journée du 3 mai, on s'appelle la liberté de la presse. La police est venue nous chasser, nous demandant de partir. C'est quoi ce balayement? Donc on a bien déclaré la manifestation. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, tous les professionnels des médias étaient attendus à la poste de Bonanjo pour écouter le message de la Fédération internationale des journalistes, celui de l'UNESCO, puis du SNJC. Une fois sur les lieux, il y a refoulement. La moindre résistance plonge la police dans une colère décoiffante. Sortez et partez, il n'y a pas de bonjour, sortez et partez. On ne peut pas s'exprimer. Je ne vous reçois pas, j'ai reçu plusieurs coups, je ne vais pas parler avec 1000 personnes. Sortez et parlez et partez. Des pratiques similaires ont fait perdre au Cameroun 20 places dans le dernier classement de Reporters sans frontières. Ce que regrette le bureau exécutif du syndicat national des journalistes du Cameroun. Ce matin, nous avons eu la preuve vivante que la liberté de la presse au Cameroun est inexistante. Quand on veut nous accorder quelques moments de distraction, on nous permet de créer des journaux et des titres. Quand on vous accorde quelques moments de distraction, on nous ouvre des plateaux. Quand on veut nous accorder quelques moments de distraction, on nous permet d'ouvrir des radios ou des télés. Mais il n'y a pas de liberté de la presse. C'est ce foisonnement qui nous donne l'impression qu'il y a la liberté de la presse, mais il n'existe pas. Parce qu'il est inadmissible qu'en 3 mai, ayant déposé une déclaration, une demande d'autorisation à manifester, que le jour de la manifestation, nous serons interdits de manifester. Et on nous demande de délocaliser. La journée mondiale dédiée à la liberté de la presse se termine au Cameroun par une déclaration du SNJC. Tout en appelant les journalistes à continuer leur travail de service public, ils regrettent que les forces de l'ordre continuent de briller par des actes de violence sur les hommes et femmes des médias. Retour sur ce plateau avec notre invité. Il est Hamkwe syndicaliste, secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun. Alors, avec plus de 200 radios, plus de 600 journaux, plus de 60 télévisions, le paysage médiatique camerounais est l'un des plus épais en Afrique. Mais comment comprendre qu'en permanence, la question de la liberté de la presse, la liberté d'expression reste problématique? Non, on est dans un scénario de distraction. Dans un scénario de distraction, parce que quand on veut faire sérieux, on ne fait pas dans le nombre. On ne fait pas dans la qualité, dans la quantité. On fait plutôt dans la qualité. Alors, nous sommes l'un des rares pays où on peut se lever un matin avec un timbre fiscal de 1500 francs devenu directeur de publication. On est le seul pays
où on permet aux gens de bavarder, aussi bien dans la rue que sur des plateaux de télé, comme nous sommes en train de faire. Mais au fond, on se pose la question sur ce qu'on deviendra après avoir parlé. C'est justement ça le problème. Donc, les organes de presse, comme les partis politiques, c'est une fumée pour qui permet de donner un vernis à une gouvernance qui n'est pas bonne. Parce que on ne peut pas comprendre que on ait autant de titres, autant de partis politiques, parce que les deux vont ensemble, et que dans un pays où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de véritable débat démocratique, dans un pays où la presse, la qualité de la presse laisse à désirer. Alors, au-delà de la quantité ou du volume des productions, il y a le volet qualitatif dont vous parliez tantôt, qui est tout aussi questionnable. Tous les matins, on va constater une dizaine de unes qui sont presque similaires pour accompagner l'action d'un membre du gouvernement ou des tirs groupés pour insulter celui qui est présenté comme l'ennemi d'un membre du gouvernement. En tant que professionnel du métier, quel regard portez-vous sur cette réalité? On a l'habitude d'appeler ça devoir en commun après une dictée préparée. Préparée par qui? Mais par des forces obscures. Et ça se voit. On ne peut pas... notre métier, le travail, notre travail est très simple. C'est aussi simple. Hein? Ce qui est vu, ce qui est écouté, ce qui est senti. Donc rendre compte des faits, ça devait être aussi simple que ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on se... On se rend compte que certaines personnes décident, comme je le disais tout à l'heure, avec 1 500 francs, de créer plusieurs journaux, en violation d'ailleurs de la loi, qui donne une certaine limite oui. en cela, et qu'un matin, on a l'impression qu'on a un seul rédacteur en chef qui a dirigé la publication de 5, 6, 8 journaux. Et maintenant, ni l'organe de régulation, et avec l'absence de l'autorégulation, c'est-à-dire une organisation des pairs, on ne peut avoir que ce genre de journaux. Disons, permettez l'expression, des journaux poubelles. Vous donnez l'opportunité de vous interroger justement sur le rôle du CNC, le Conseil national de la communication, qui est l'organe régulateur des médias au Cameroun. Quelle appréciation portez-vous sur les rapports à pouvoir avoir une presse efficace? Une presse qui joue le rôle de baromètre de la démocratie, une presse qui permet au pays d'avancer. Une presse qui identifie clairement le train qui n'arrive pas à l'heure, interpelle les décideurs pour que les choses puissent s'améliorer. Déjà, le Conseil national de la communication, de par sa création, était déjà un échec en soi. Parce que c'est le gouvernement de la République qui a décidé, à un certain moment, de mettre en place un organe pour réguler la profession, sans consulter les professionnels. Bien que parmi les membres, il y ait des professionnels. Mais on ne peut pas, on le dit le plus souvent, ce qu'on fait pour vous, sans vous, c'est contre vous. Et aujourd'hui, après quelques années de fonctionnement, on a l'impression que le CNC agit parfois à tête chercheuse. Agit parfois à tête chercheuse. Alors, si nous allons rester sur
cette problématique du rôle de la presse si elle reste un contre-pouvoir par son approche critique, par son ton indépendant exerçant un service, un travail de service public, en ce sens qu'il aide les citoyens à être informés de la situation du pays en remplissant le droit à l'information du citoyen. Comment expliquer que les médias, des journalistes de plus en plus, procèdent par l'autocensure, parfois écrivent ce qui doit contenter les décideurs plutôt que d'être du côté des faibles, de la veuve et de l'orphelin? Mais tout simplement parce qu'il y a des choses trappes, aussi bien au niveau de la loi qu'au niveau même du fonctionnement des entreprises de presse. Il y a des choses trappes qui empêchent le journaliste de s'exprimer clairement selon les canons du métier. La loi pourtant devrait protéger le journaliste, puisque vous aviez tout à l'heure convoqué les dispositions de la loi sur la communication sociale au Cameroun, la loi de 90. Comment appréciez-vous la réplique des hommes, on parle des professionnels du droit, le personnel judiciaire ou tout au moins les autorités judiciaires, pour protéger les journalistes qui sont victimes de musellement, qui sont victimes de chassement, comme on a vu l'autre jour? Pourtant, le Cameroun, dans sa constitution, reconnaît la liberté d'expression, la presse, la liberté de la presse. Un aîné dans la profession, le professeur Albert Bida, a d'ailleurs écrit un livre. Dans ce livre, il a cité les textes de loi qui empêche le journaliste de travailler. C'est un document très intéressant. Oui. Parce que on a l'impression que ce qui est donné par une loi est repris par une autre. Par une autre dans notre pays. Et il est tout à fait normal que, déjà un, l'information, la base de l'information, c'est La source. Déjà, l'accès aux sources est un gros problème dans notre pays. Surtout les sources d'État, les sources gouvernementales. C'est quand vous vous présentez à une source, la source vous renvoie à une hiérarchie, la hiérarchie attend, ainsi de suite. Et l'information étant une denrée périssable, et le journaliste est obligé de rendre compte. Et le plus souvent, il arrive que le journaliste, en rendant compte, commet des erreurs. Et généralement, ces erreurs, ce n'est pas les erreurs du journaliste, mais ces erreurs sont dues aux chausse-trappes, c'est-à-dire au blocage qui empêche le journaliste d'exercer son métier. Pour éviter la désinformation, nous allons encore convoquer la loi de 90 sur la communication sociale. L'article 41, alinéa 1, également, dispose que le journaliste est libre d'accéder aux sources d'information. C'est l'occasion pour nous de redonner la parole aux journalistes qui, au quotidien, vivent des expériences diverses en matière d'accès aux sources d'information. C'est dans ce reportage que nous propose Cyril Kouakam et Thierry Nana. Accéder à une source d'information, une réalité des moins évidentes pour des journalistes au Cameroun. Plus d'une fois, quand je veux recouper une information et qu'on me fait comprendre que non, c'est pas votre média, vous n'êtes pas à la hauteur d'avoir une telle information, ou bien d'avoir la personne que vous souhaitez rencontrer pour avoir l'information. Pour atteindre l'objectif d'accès à l'information, des stratagèmes sont élaborés, selon qu'on est presse écrite ou non. Sentant ses intérêts touchés, cette dernière personne ne va vraiment pas vous ouvrir les portes. Ou alors, sentant peut-être les intérêts de la structure touchée, ce dernier va fermer les portes aux journalistes. Le recoupement de l'information est de ce fait dépendante des organismes et médias occidentaux. On a des sources qui aiment, hélas, beaucoup, beaucoup la télé.
C'est-à-dire que vous faites dans la presse écrite, ça peut être presse écrite papier ou presse écrite en ligne, mais puisque vous n'avez pas la caméra, et comme les Camerounais, les Africains aiment bien se voir à la télé, on ne vous passe pas l'information, on ne vous reçoit même pas du tout. Donc, on a souvent eu à faire des stratégies, genre tu appelles un confrère qui a une caméra, il vient, il filme, tout simplement parce que tu vas avoir l'information. Si la démocratie rime avec liberté d'expression, l'accès aux sources d'information l'est tout autant. Par exemple, dans la presse économique, souvent on est obligé d'attendre que le FMI ou la Banque mondiale mettent les chiffres du Cameroun sur leur site pour que nous on aille voir ce qui a été produit là-bas, ou encore que Chaîne Afrique fasse le classement panafricain des meilleures entreprises pour que nous on ait accès à l'information. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui doit être sanctionné au besoin. Nous demandons à l'État, nous demandons au gouvernement, nous demandons à tous ceux qui sont détenteurs, même ceux qui sont opprimés parfois, victimes de la mauvaise information, de se laisser ouvert et de confier l'information nécessaire et essentielle pour qu'on puisse rester dans le cadre soit de l'influence, soit dans le cadre de la bonne information, dans le cadre de ce qui permettra aux gens d'être mieux informés sur ce qui se passe. L'article 49 alinéa 1 de la loi de 90 relative à la communication sociale dispose le libre accès du journaliste à la liberté d'expression. On parle justement de la liberté d'accéder aux sources d'information. Ilaye Hamkoué, vous êtes journaliste depuis 1982. 84. Ça fait exactement 40 ans. Mais comment comprendre que jusqu'à présent, il y ait des responsables qui préfèrent recourir aux médias occidentaux pour livrer la profondeur de leur pensée ou livrer une source qui permettrait d'étayer une situation. Le cas Martinez Zogo est patent. Ce sont les journaux étrangers qui, à un moment donné, donnaient de l'information aux populations camerounaises sur une affaire qui s'est passée sur le sol camerounais. Les Camerounais ne sont pas si pertinents que ça en matière de journalisme. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a de très très bons journalistes au Cameroun. Aussi bien ceux qui sont formés localement que ceux qui sont formés à l'extérieur. Mm-hmm. Je crois que ce qui fait problème, c'est un complexe qu'ont les sources par rapport à l'information. Donc, on préfère, nous savons très bien, on ne va pas réveiller certaines choses, savait très bien qu'on a pendant longtemps préféré donner des insertions, des pages entières à des journaux étrangers que de nourrir les à des coûts faramineux. Oui, des petits journaux locaux. Donc c'est vous mettez petits journaux entre griffes, n'est-ce pas? Vous mettez petits journaux entre guillemets. Oui, bien sûr, entre guillemets. Voilà. Donc nous pensons que cela est lié à un tout, c'est-à-dire que une situation nationale aussi bien politique, sociale, qui empêche que les choses se passent comme il se doit. Donc, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que on envoie des journalistes à l'intérieur du pays d'aller fouiller dans la poubelle de Facebook pour chercher l'information, ou bien de recourir à des confrères au niveau de l'extérieur pour avoir l'information, au lieu que c'est les confrères qui sont à l'extérieur qui s'abreuvent à la source nationale. C'est plutôt le contraire et c'est regrettable pour notre profession. Ça a rendu très célèbre des lanceurs d'alerte. Oui. Parfois sont plus introduits que des journalistes qui travaillent au quotidien sur l'actualité. Mais tout à fait, tout simplement parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer véritablement, c'est que il y a une certaine oligarchie qui s'est organisée pour avoir ces journalistes. Donc, ils ne donnent l'information qu'à ces journalistes. Et tout à l'heure, je parlais de l'autorégulation. C'est que nous aussi, nous ne nous sommes pas organisés pour mutualiser nos sources, nos informations, pouvoir les croiser à temps et donner la bonne information.
Retour sur ce plateau, Hilaire Amkoué, mettant le curseur sur le contexte économique, les conditions de travail des journalistes au Cameroun. Comparé à d'autres pays, les journalistes camerounais travaillent dans des conditions de précarité. Alors, j'aimerais que vous vous prononciez sur l'aide à la presse et la convention collective signée à l'aube de l'année 2008. Voilà. La convention collective a été signée en 2008 et après de négociations, on a pu obtenir la signature de la convention collective. Vous savez, ça se signe, c'est une convention tripartite. Il y a le patron d'un côté, l'employé de l'autre, avec l'arbitrage de l'État. Et malheureusement, cette convention collective, une fois signée, a connu le chantage d'une... Vous parliez tantôt de patron, l'employé, le syndicat? Non, le syndicat des patrons, voilà. Le syndicat des travailleurs. Tout à fait. Et avec l'arbitrage de l'État. Il fallait justement que nous ayons cette précision. Ok, tout allez-y. À fait. Mais malheureusement, une fois que la partie employeur a signé, elle a commencé à faire du chantage. C'est-à-dire demander à l'État de leur accorder la convention de Florence sur les importations des intrants dans la communication. Et je crois que l'État a même d'ailleurs accepté, et à un certain moment, on a constaté que les journaux n'avaient ni imprimerie, tout le monde tirait on sait où, ainsi de suite, mais qu'il y avait quand même cet accord-là qui fonctionnait. Bon, donc l'État a dû chercher à comprendre et a découvert que certains patrons véreux faisaient des importations pour des personnes autres que... Donc ces intrants-là, ça ne rentrait pas dans la presse et malheureusement, l'État a bloqué. Et une fois, la partie employeur a utilisé cela pour ne pas appliquer la convention collective. Et aujourd'hui, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème. Pourquoi ? Parce que les travailleurs de médias ne peuvent avoir leur indépendance que sur la base d'un certain confort qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pour la majorité, bien sûr. On n'a pas. Et ce qui fait que les travailleurs vivent au petit bonheur la chance. C'est-à-dire qu'ils sont payés à lance-pierre, ils sont maltraités, plus maltraités même, parce que même les autres corps de métier, bon, il n'y a pas de sous-métier. Bon, donc c'est pour ça que je ne vais pas nommer certains métiers ici, sont mieux lotis que les journalistes. Mais il faut le dire, nous allons faire violence, c'est-à-dire que l'autoflagellation, il faut aussi dire que beaucoup parmi nous ne travaillent pas à ce que cet état de choses-là trouve une solution, parce qu'ils vivent du gombo, ils vivent d'arnaque, ils vivent d'autres choses. De harcèlement, de chantage. De chantage, et ils pensent que c'est suffisant pour que leur situation propre trouve solution, mais nous croisons des aînés dans la rue qui ont passé leur vie à faire ce travail-là dans un certain confort, mais à un certain moment, ça s'arrête. Alors, Hilaire Amkoué, dites-nous, qu'est-ce qui aurait changé concrètement, ou alors qu'est-ce qui changerait concrètement avec un décret d'application de cette convention collective? Non, tout à l'heure, je parlais même déjà de ce que nous appelons entreprise de presse, qui véritablement, il y a très peu d'entreprises de presse. Alors, cette convention collective, une fois qu'elle est appliquée, les conditions, les petites conditions, les acquis qu'il y a dans ces conditions permettraient aux journalistes de vivre décemment. Quelques acquis,
On peut le citer, on peut le savoir. Non, par exemple, le plancher salarial du journaliste, c'est 150 000. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, très rare. Il y a des rédactions où on donnerait 50 000, 60 000. Ça, c'est des informations que nous avons lors de nos investigations. Donc, déjà au niveau de ce plancher, déjà au niveau du matériel, du confort du journaliste, des couvertures, des déplacements au moment des couvertures. Donc, si on a au moins cela, ça donne aux journalistes quelques moyens qui le mettent à l'abri d'un certain comportement sur le terrain. Voilà, il faut un minimum de confort pour pratiquer la vertu et au regard de la délicatesse des missions du journaliste. La déontologie prévoit et exige même, écrit noir sur blanc, que le journaliste soit mis à l'abri dans certaines difficultés. Bon, avoir le minimum pour vivre, soit mis à l'abri des besoins primaires, l'objectif étant qu'il soit libre, qu'il soit indépendant, qu'il soit neutre. Alors, on aimerait savoir le combat que mène le SNJC pour qu'on se rapproche de cet idéal. On va dire, c'est pas parfait partout, c'est pas complètement noir au Cameroun, c'est pas complètement noir blanc ailleurs. Comment le SNJC mène-t-il le combat afin qu'on se rapproche un tout petit peu de l'idéal d'une société où le journaliste est à l'abri dans certains types de besoins et qui travaille avec un maximum de neutralité, d'indépendance, de sens critique? Oui, déjà, la convention collective, c'est un acquis de nos devanciers qui ont bataillé dur pour obtenir déjà cette signature-là. Bon, maintenant, il faudrait que les journalistes puissent d'abord se syndiquer. Ça, c'est la première des choses. Oui. D'abord se syndiquer, parce que ça, c'est un acquis syndical. Qui puisse se syndiquer, mais qui puisse aussi être discipliné dans le syndicat. Parce que c'est un processus de combat. C'est un processus de combat, c'est-à-dire être à l'écoute du syndicat. Le syndicat mène les négociations. Actuellement, d'ailleurs, nous sommes en négociation avec l'État, à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, pour que cette convention-là soit appliquée. Mais nous sommes surpris que l'État, qui a tous les moyens de contrainte vis-à-vis de l'employeur, des employeurs, l'État nous envoie plutôt d'aller amener les employeurs à la table de négociation. C'est à ce niveau-là qu'on est un peu coincé. Je dis un peu, un tout petit peu, parce que nous avons déjà rencontré quelques patrons qui acceptent venir à cette table. Mais il faudrait qu'il y ait un minimum d'employeurs, surtout ceux-là qui avaient signé au préalable cette convention collective au nom des employeurs. Est-ce que vous comprenez le cri de colère de certains journalistes, notamment ceux de la presse écrite, qui trouvent encore les intrants très chers, qui demandent à ce que soient défiscalisés les intrants, le papier, l'encre qui coûte très cher, et que dans un contexte d'inflation comme celui du Cameroun, le journal coûte 400 francs dans un pays qui a un même niveau de PIB que celui du Cameroun. Alors on va dire plus ou moins comme la Côte d'Ivoire, le journal, il coûte 200 francs. Est-ce que vous comprenez ces appels de ces journalistes? Mais effectivement, c'est un combat commun. Nous pensons que nos patrons ne nous écoutent pas, parce qu'ils ne nous comprennent pas. Mais par contre, nous les comprenons. Nous les comprenons. C'est pour ça que nous avons plusieurs fois demandé à nos patrons de se mettre en syndicat. C'est-à-dire de se mettre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de syndicat patronal au niveau de la presse. Ça aussi, c'est un problème. Parce que pour arriver, pour aller à une table de négociation comme celle-là, on nous demande aujourd'hui d'aller essayer d'amener les patrons. Or, si on avait en face un syndicat comme le SNJC, ce aurait été facile de négocier et d'aller à la table de ce syndicat et de poser ce problème-là, clairement. Aujourd'hui, nous sommes victimes de cette situation parce que
les patrons refusent d'appliquer la convention collective, c'est nous qui sommes pénalisés. Or, la lutte devait être à l'endroit de ceux qui sont capables d'accorder ces facilitations-là, c'est-à-dire l'État. On attend le décret d'application, ça viendra de l'État. Mais on ne va pas attendre l'application, c'est-à-dire le décret d'application assis tranquillement chez nous. Il faut se battre. Il faut se battre. Et l'émiettement du syndicat en micro-syndicat de plus en plus n'est pas en train d'aider les choses. Nous allons rester sur la thématique de la liberté de la presse. Hilaire Amkoué, en nous fondant justement sur l'assassinat de Martinez Zogo, nous avons été au charbon, ça fait bientôt un an et demi. Nous sommes au charbon. Toute la corporation, toutes les personnes avec un brin d'humanisme et d'humanité sont au charbon justement depuis cet assassinat de notre confrère Martinez Zogo. Et donc la dénonciation se poursuit depuis ce fameux mois de janvier 2023. Vous condamnez les brimades, vous condamnez la torture, vous condamnez le pourchassement des journalistes. Rendu à cette date, nous sommes le 5 mai 2024. Qu'est-ce qui a changé au Cameroun en matière de brimade sur la personne de journaliste? Puisque depuis la mort de Martinez Zogo, l'écho s'est fait un peu plus grand. Oui, l'écho s'est fait un peu plus grand, mais nous avons très vite déchanté le 3 mai dernier, de constater que malgré tous ces cris-là, il y a encore ce genre de comportement-là. Mais il faut dire que les actions que nous avons menées ont porté, parce que c'est la première fois depuis que nous crions, c'est la première fois qu'il y a eu des inculpations, bien que on a une idée sur les auteurs de cet assassinat, mais ce qui manque, c'est les commanditaires. Et c'est pour ça que nous avons décidé de continuer la résistance pour avoir les commanditaires. Parce que les commanditaires, si les auteurs sont punis et que les commanditaires ne le sont pas, ils sont capables demain de remettre cela. Alors, nous allons sortir presque, nous allons bientôt sortir de la thématique relative à la liberté de la presse. Une dernière question avant d'ouvrir la brèche de la presse et la protection de l'environnement. Il est Amkoué, 64 ans après l'indépendance du Cameroun. Comment avoir une presse libre, véritable baromètre de la démocratie? Non, mais il faudrait d'abord que en amont, le problème national camerounais soit résolu. Donc, parce que la condition des journalistes, les conditions de liberté dans la société, tout cela est lié à notre échec au moment de la fin de la tutelle du Cameroun. C'est-à-dire que il faudrait nécessairement, pour résoudre tous ces problèmes-là, qu'il y ait une constituante, que les Camerounais s'asseyent, se regardent, se parlent et se pardonnent, qu'ils se donnent une constitution, qu'ils se donnent des bonnes lois et que des élections soient véritablement des élections crédibles et que le vainqueur soit celui-là que les Camerounais ont décidé. Je crois que avec cela, si notre pays est très bien organisé ainsi, chacun fonctionnera en sachant que si je fonctionne mal, demain je serai sanctionné. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et si vous fonctionnez mal, la presse libre vous mettra au devant de vos responsabilités. Tout à fait, de vos responsabilités. Merci beaucoup. On parle d'environnement. La planète chauffe de plus en plus. On voit des fontes des glaces. On voit le réchauffement climatique qui impacte l'agriculture. On a de plus en plus faim. Les maladies également se multiplient et l'occasion a été donnée le 3 mai, justement. Tout à fait. Et l'UNESCO a tiré la sonnette d'alarme en interpellant les journalistes à se mêler au combat pour porter la voix,
la sensibilisation pour protéger la planète. Reportage. C'est la canicule à Maroua. La ville et ses habitants suffoquent sous les fortes vagues de chaleur qui sévissent depuis plus de 2 mois déjà. Le salaire là, c'est très fort, on a très dépassé. Peut-être on a plus de 40 quelques degrés. Donc il fait trop chaud à Maroua, c'est grave. Je crois que nous sommes à plus de 45 degrés, hein. Nous sommes déjà à plus de 5 litres d'eau, c'est grave. On boit beaucoup, et surtout l'eau fraîche. Les températures dans cette localité de l'extrême nord avoisinent les 45 degrés Celsius. Toute chose qui n'est pas sans conséquence sur la vie des populations. Les gens en train de mourir, surtout les vieux vieux là, ils sont peut-être 40 ans, 50 ans en train de décéder seulement à Maroua. Depuis qu'on est arrivé ici là, vraiment la température est très forte. On se demande comment les autres vivent ici là. On est ici présentement depuis 2 ou 3 jours. Mais avant la chaleur, ça ne nous laisse pas. Vraiment, on vit vraiment le calvaire si très fort avec la chaleur. Face au phénomène, les professionnels de la santé recommandent l'hydratation maximale. Le but général, c'est d'éviter de favoriser la déshydratation. En faisant quoi? En évitant de s'exposer au soleil. Donc, il faut éviter d'être exposé au soleil entre 11h jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à 18-19h. Deuxième mesure, s'hydrater. Vraiment beaucoup boire de l'eau. Qu'on ait soif ou pas. Éviter l'exercice physique également dans cette tranche horaire. Si on veut faire de l'exercice physique, faire soit très tôt le matin, aux environs 6-7 heures au plus tard, ou bien en soirée quand la nuit est déjà tombée. La situation est la même dans plusieurs autres villes de la région de l'extrême nord, où prévaut en général un climat de chaleur. C'est la première fois que les journalistes sont interpellés pour cette affaire d'urgence climatique. Vous avez mené des descentes sur le terrain et dans les réseaux sociaux, à la télévision. Ça commence à bien faire si on y prend garde. On sera surpris par notre milieu de vie qui deviendra invivable, permettez la redondance. De votre point de vue, le regard de journaliste que vous menez, quel crédit devrait-on désormais accorder à la question environnementale ? Non, ben, il y a eu ce que nous vivons aujourd'hui, le réchauffement climatique. Il faut dire qu'il y a d'abord le comportement colonial qui, aussi dans l'ignorance, pensait que en commettant le crime de dévastation de la nature chez nous, ça devait impacter juste chez nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont conscients de la situation et attirent l'attention de tout le monde que le monde, c'est un seul monde et que ça impacte sur tout le monde. Or, aujourd'hui, et l'UNESCO l'a fait, les Nations Unies aussi, dans leur discours, ont rappelé cela, ils reconnaissent quand même que c'est notre métier, c'est nous qui devons être la lanterne de la société et nous ont conscientisé à amener la société à être consciente de cette situation-là. Bon, je pense que c'est une reconnaissance au niveau international. Nous souhaitons aussi qu'il y ait une reconnaissance nationale pour que nous puissions faire ce travail-là. C'est-à-dire, la reconnaissance nationale consisterait à reconnaître notre travail et nous donner les moyens de faire ce travail-là, parce que nos vies en dépendent. Et on parle déjà des morts du côté de l'extrême nord du Cameroun, du fait de cette canicule, les températures qui avoisinent les 50%, à Douala également il fait de plus en plus chaud, à Bafoussam, où on achetait de grosses couvertures, des gendarmes désormais presque nus, parce que ça chauffe donc. Le changement climatique, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un complot scientifique, c'est le quotidien, les changements des saisons, on ne maîtrise plus, les saisons et cela a un impact sur l'agriculture. Donc, si l'agriculture est touchée, c'est la vie qui est touchée puisqu'il faut manger pour vivre. Nous sortons de cette thématique relative à la presse complètement pour nous intéresser à cette autre actualité qui a marqué cette semaine, la célébration de la Journée internationale du travail. Eh bien, à cette occasion-là, les droits des travailleurs ont été, une fois de plus,
mis sur la table, interpellant les pouvoirs publics, mais aussi les employés. Reportage. Une intervention pas au goût de l'autorité administrative. Dans son adresse, voici la phrase qui fâche. Des mots qui n'ont pas été appréciés par le gouverneur de la région du littoral. Au quotidien, sous le joug, cette fois d'un gouvernement sourd et inhumain, j'ai bien peur que le diable soit passé par votre tête. Juste après la parade, le syndicaliste est interpellé. Il fait bien comprendre le fond de sa pensée, toute chose qui choque les défenseurs des droits des travailleurs. Normalement, un syndicaliste, il a préparé son discours. Et malheureusement, les phrases étaient peut-être maladroites, mais ce n'était pas important d'être interpellé directement après la fête parce que ça gâchait la fête. Dans le propos, le porte-voix des travailleurs sur le ratio chômage coût de la vie et salaire peu consistant et au gouverneur du littoral de rappeler les efforts qui sont consentis. Nous, le pays connaît le plus de séries et le plus de l'emploi. Et plus de l'emploi, le taux de chômage est très élevé. Le sous-emploi est éteint. Le coût de vie ne cesse d'augmenter. Les salaires minimums demeurent en deçà du seuil acceptable pour répondre aux besoins vitaux de cette catégorie de travailleurs. La promotion du dialogue social, les mutations en cours dans le monde du travail avec la fusion du CHICAM et du CAM, la densification des réflexions sur les mutations du travail face à l'évolution numérique, la mise en place progressive de la couverture santé universelle, la poursuite des actions de la CNPS visant à offrir à tous les travailleurs du secteur formel une couverture de sécurité sociale. Comme les années précédentes, la prise de parole à la place des fêtes de Douala a traduit le mal-être des travailleurs. Avant la grande marche des travailleurs à Yaoundé ce 1er mai 2024, quatre orateurs se succèdent au pupitre. D'abord les partenaires sociaux qui portent la voix des travailleurs camerounais dans leur immense majorité. Leurs attentes. Les travailleurs attendent les mesures d'accompagnement suite à la hausse des prix des hydrocarbures, le desserrement de l'étau fiscal sur les salaires par la défiscalisation des éléments de la rémunération, à savoir la prime de bonne séparation, l'indemnité de fin de carrière, les allocations familiales et les pensions vieillesse. Sur la question de la justice sociale, l'Union générale des travailleurs du Cameroun dénonce une société truffée d'inégalités, assimilable à la jungle où la loi du plus fort est la meilleure. Comment comprendre que dans le monde du travail au Cameroun, certains employeurs refusent d'appliquer le SMIC et les conventions collectives librement signées, que les droits des travailleurs soient violés, que la précarité des emplois est la règle, à ceux qui ont instauré l'injustice sociale, je dis bien l'injustice sociale au Cameroun. Nous leur disons que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par s'élever. Faites attention aux abeilles. En réponse aux organisations syndicales, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale reconnaît certes des manquements, mais des avancées ont été enregistrées et des efforts continuent d'être faits dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales des Camerounais, mais tout ceci sur la base d'un dialogue constructif. Toutes ces avancées qu'il y a eu pour certaines augmentations de salaire de 20-30% il y a encore quelques semaines, les gens n'ont pas eu besoin ni de marcher, ni de courir, ni de gréver. Ils se sont assis, ils ont discuté. Autre annonce forte de ce 1er mai 2024, les congés de maternité et de paternité qui sont appelés à être revus à 6 mois et 1 mois respectivement. Plusieurs secteurs. Merci Aimé Catherine Moukouri et Daniel Anissé Boudjé. On parle des conditions de travail au Cameroun. Comment avez-vous réagi à l'interpellation de Roger Fomen, le syndicaliste, après son discours à la place de la BCK à Douala? Non, je crois que c'est des actes que certaines posent sans mesurer les conséquences. Et ça fait que notre pays devient la risée au niveau international.
quand un syndicaliste parle, il parle de ce qu'il ressent. Si dans un pays, on trouve encore des travailleurs qui ont moins de 30 000 francs par mois, et que cela n'émeuve pas ceux qui sont en face. C'est moins du SMIC, hein, 30 000. Tout à fait. Que ça n'émeuve pas ceux qui sont en face, ça justifie les propos de ce syndicaliste. Parce que il a dit que l'État est sourd et inhumain. Et inhumain. Parce que, comment... C'était pas assez grave. Non, c'est dur, mais c'est ce qu'il ressent. Et je pense qu'on devait plutôt tenir compte de son état d'esprit au moment où il exprime cela, au lieu de s'arrêter juste sur les mots. Posons-nous la question, pourquoi il dit ? Prenons un exemple. Les allocations familiales, surtout cela, c'est important. Les allocations familiales, c'est le peu que la structure CNPS donne à un travailleur pour s'occuper de l'enfant. Quand on a décidé de cette allocation familiale il y a, je crois, une trentaine, une quarantaine d'années, on a tenu compte d'un certain nombre de choses. On a dit, si l'enfant prend un œuf le matin, un petit bout de pain, hein, ça donnerait, je crois, c'était 4600 francs par mois. Mais on a maintenu cela pendant, sans tenir compte du coût de la vie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je crois que l'allocation familiale est autour de, je crois, c'est de 8000 francs pour un enfant. Est-ce qu'avec 8000 francs, on peut tenir un enfant pendant 3 mois? Il y a quand même un fait qu'il faut relever. Pendant que le syndicaliste estime que l'État est sourd et inhumain, en face, l'État présente tout un chapelet de mesures qui ont été prises pour améliorer le confort des travailleurs. C'est finalement un dialogue de sourds, on a envie de comprendre. Non, l'État ne peut pas se vanter d'avoir amélioré, puisque c'est pour ça qu'il est là. Hein? Dans notre métier, on dit que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas. L'État est là pour le faire. Donc l'État, c'est bien d'énumérer des chapelets, mais alors, est-ce que le problème, le quotidien du travailleur camerounais est résolu? Pas du tout. Okay. Donc, c'est normal que le travailleur continue de crier parce que, malgré le peu que l'État a fait, les conditions ne sont pas résolues. Nous allons parler des conditions de vie qui amènent des Camerounais de plus en plus à jeter l'éponge et à prendre la route de l'immigration. Mais en même temps, il y a des Camerounais qui sont partis de l'Hexagone, qui sont partis des États-Unis, du Canada, pour revenir sur place. C'est le mouvement inverse. Ceux qui partent s'installer là-bas, ceux qui sont partis de là, ils reviennent ici s'installer, on les appelle les success stories. Ils ont été rencontrés au cours de cette semaine où on parle de travail. Leur expérience pourrait inspirer d'autres. Reportage. Cette unité de production de tilapia et de silure est mise sur pied par Manimbem Elombe. Camerounais parti du Canada il y a 3 ans, après une formation en production animale. Âgé aujourd'hui de 28 ans, il tient également une poissonnerie où il écoule sa production. Au-delà de l'amour pour la patrie, il est revenu au pays car pour lui, le Cameroun reste une terre en friche. Quand vous êtes à l'étranger, vous rendez compte que tout a été fait en étranger. Vous suivez juste le rang, vous suivez juste le peloton. Tandis qu'en Afrique, tous les domaines sont exploitables. Tous les domaines, il y a des capacités, il y a vraiment à faire. Le marché est grand. À plein temps, il emploie 30 personnes. Tout comme lui, Joël Sikam retourne des États-Unis en 2012 après l'obtention d'une licence en finance. En 2015, il met sur pied cette industrie de chimie domestique, parapharmacie et chimie industrielle. Du haut de ses 44 ans,
il reste optimiste en dépit des aléas qu'il rencontre depuis 9 ans. Je pense toujours qu'on peut mieux faire. L'écosystème n'est pas propice, n'est pas encourageant. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pleure ou on se décourage? Non. Il y a beaucoup de marge de progression. Et je pense qu'on peut, et on doit mieux faire. Moi, c'est ce film-là que je mets dans ma tête. Et chaque fois, chaque matin, c'est mon leitmotiv. Des attentes demeurent pour mieux faire. Faciliter les installations des sociétés des productives. L'accompagnement au niveau des financements. Bien qu'il soit retourné au pays, il reste néanmoins préoccupé par le phénomène d'immigration à tout prix, des jeunes par milliers. Aujourd'hui, vous avez des gars qui ont des masters 2 et tout, juste parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un qui va le positionner, quelqu'un qui va pouvoir payer 1 million, 2 millions pour avoir un poste, ça va être compliqué. Donc, ils cherchent à aller directement à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez dire à des jeunes qui, tous les jours, n'arrivent pas à trouver des boulots, n'arrivent pas à s'en sortir, sont dans des conditions terribles? Qu'est-ce que vous allez dire? Non, ne partez pas, restez. Ok, ils veulent rester, mais vous le dites, ça va aller dans combien de temps? Ces deux entrepreneurs sont classés dans la catégorie moyenne entreprise pour l'industriel et très petite entreprise pour l'aquaculteur. Eh bien, le Cameroun est un pays à transformer dans tous les domaines. Les opportunités sont encore là. Mais les jeunes préfèrent partir, des Camerounais abandonnent et partent. Quel discours tenez-vous vis-à-vis de l'État pour peut-être réorganiser l'environnement du travail? Quel discours tenez-vous à ces jeunes qui prennent la route de l'immigration? Non, il faut quand même, je crois qu'il y a un artiste camerounais, Prince Nkombaga, qui a dit « home be home ». La maison, le chez-soi, est toujours plus confortable qu'ailleurs. Mais il faudrait qu'on évite de jeter l'opprobre sur ceux qui partent. Parce qu'il faut savoir pourquoi ils partent. Dans un pays où on utilise des conditions pas suffisamment claires pour l'accès à l'emploi dans la fonction publique, pour l'accès à des écoles, pour... Il y a même une situation qu'on appelle l'équilibre régional, qui est une, de mon point de vue, c'est une injustice, parce que il faudrait que les gens aient les mêmes chances. L'accès à l'emploi, l'accès à des responsabilités. Bon, alors, ce que nous dénonçons le plus souvent, c'est le fait que les gens partent et ne pensent plus à revenir. Le fait que les gens partent en utilisant des chemins parfois tortueux, parfois dangereux pour aller. Bon, quand on présente des Camerounais, les deux exemples là, ils ont été quand même cherchés à l'étranger pour venir investir. Tout à fait. Alors, est-ce que celui qui est en place peut avoir des moyens de cet investissement-là? Ce n'est pas très sûr. Donc, la réorganisation de la société, je le disais tout à l'heure, est à refaire. Et ça doit repartir sur la base de... Le mot là, le plus souvent, ça fait peur. D'une conférence nationale souveraine où les Camerounais s'asseyent, se parlent, se pardonnent et se donnent des directives pour fonctionner dans le pays. Et peut-être tirer aussi profit de cette diaspora qui est l'une des meilleures d'Afrique, de l'autre côté, en mettant sur pied des passerelles pour permettre à cette diaspora de revenir faire ce qu'ils savent faire. Mais dans ce cas, il y a un problème à résoudre. Il faudrait quand même, il y a un problème, par exemple, de multiples nationalités qu'il faudrait aussi, au préalable, que ce soit, que ça trouve solution. Par exemple, quand ce Camerounais-là revient, peut-être parce que il a, dans sa débrouillardise, obtenu une autre nationalité, on dit c'est un étranger, qu'est-ce qu'il vient faire là? Donc voilà aussi un problème
qui, au préalable, si ce problème est résolu, je pense que ça permettrait, ça mettrait une certaine fluidité entre la diaspora et les nationaux. C'est compris, Hilaire Amkoué. Nous allons parler de politique à présent avec la campagne d'inscription sur les listes électorales qui est lancée depuis plusieurs mois. Et à la suite de cela, le ministre de l'administration territoriale s'est invité dans cette mouvance-là pour interpeller les différents acteurs, notamment ceux des partis politiques de l'opposition. L'inscription sur une liste électorale reste un acte républicain, c'est de votre liberté qu'il s'agit, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça reste un devoir du citoyen de participer aux élections. Nous prenons le pouls des opérations d'inscription sur les listes électorales, tant à Yaoundé qu'à Douala, avec la réaction des partis politiques de l'opposition qui estiment que les chiffres de l'ECAM semblent être biaisés. Reportage. Les difficultés rencontrées par les partis politiques sur le terrain des campagnes massives d'inscription sur les listes électorales sont de divers ordres, d'une part, internes aux formations politiques elles-mêmes. Les difficultés financières, nous n'avons pas de moyens. Le parti doit déployer les moyens sur le terrain, dont une descente de points en moyenne, 35 à 40 000, sans compter les rafraîchissements. D'autre part, il émerge des difficultés externes liées aux candidats à l'enrôlement. Nous avons constaté que certains de nos militants ont la volonté de s'inscrire, mais sont butés sur la question de la carte d'identité. Ou certains n'en ont pas, d'autres ont des récépissés, parfois qui sont périmés. Certains griefs liés à la défectuosité et à l'insuffisance des kits sont portés à l'encontre de l'ECAM, l'organe technique en charge du processus d'enrôlement. Chaque fois que nous descendons sur le terrain avec les équipes, le soir venu, tout le monde n'est pas inscrit, tout le monde ne parvient pas à s'inscrire. Nous avons effectivement des kits qui sont défectueux, qui nous lâchent, n'est-ce pas, sur le terrain des opérations. Et l'ECAM ne produit pas les cartes électeurs. Donc nous avons des citoyens inscrits depuis 2020 qui demandent où sont nos cartes et ce n'est pas une bonne publicité. Pointé du doigt, et l'ECAM est conscient des problèmes techniques rencontrés sur les kits de deuxième génération, mais se veut tout de même rassurant. Les kits de deuxième génération, effectivement, qui nous ont posé quelques soucis parce que leur technicité ne donne pas satisfaction. Le gouvernement a écouté nos doléances et nous a donné les moyens suffisants pour acquérir de nouveaux kits. Mais comme c'est technique, nous sommes en train de travailler progressivement pour que d'ici probablement début de l'année prochaine, nous puissions avoir un nouveau kit. Malgré ces difficultés, les opérations d'inscription sur les listes électorales se poursuivent et des signaux perçus à la veille d'année électorale laissent entrevoir une mobilisation de plus en plus grandissante. Eh bien, c'est la première fois qu'on vive une mouvance pareille autour des inscriptions sur la liste électorale, mais il y en a qui déchantent déjà, ils vont sur le terrain et au soir, ils n'ont pas inscrit. Tous les personnes qui sont désireuses de se faire inscrire, on parle des kits électoraux qui tombent en désuétude, qui sont défectueux, à qui pourrait profiter une faible ou alors un faible taux d'inscription sur les listes électorales au Cameroun? À ceux qui veulent le statu quo dans le pays. Ce n'est qu'à eux que ça profite. Il y a d'ailleurs un débat, il y a ceux qui pensent qu'on doit s'inscrire sur les listes électorales et que c'est par le vote que le changement viendra. Il y a ceux qui pensent que il faudrait s'inscrire, c'est plutôt donner caution à une structure qui est mise en place unilatéralement par une des parties et que la refonte préalable du système électoral, c'est ça qui donnerait beaucoup de crédit à l'inscription sur les listes électorales. Les uns disent que non, il faut s'inscrire d'abord et on verra après, mais cela ne disent pas
comment ils vont faire pour que Elecam rende le verdict fidèle au vote. Et ceux qui pensent que non, il faudrait d'abord faire une transition, ainsi de suite, ne disent pas comment ils vont faire pour amener la société entière à adhérer à cette transition. Donc, on est dans ces timbobrios-là dont les Camerounais ne savent pas par où donner de la tête. 2025, c'est dans quelques mois. Dans quelques présidentielle également, ce n'est pas loin de nous, mais on a déjà quand même des signaux de ce qui pourrait s'apparenter à des contentieux pré- ou post-électoraux. Vous avez suivi, par exemple, les représentants des formations politiques de l'opposition qui estiment que l'ECAM n'est pas en train de publier les chiffres exacts des inscrits sur les listes électorales en début de semaine. On a suivi par exemple le président du PCAN, l'honorable Cabral Libi, qui s'offusquait des conditions d'inscription sur les listes électorales pour ce qui est des Camerounais de la diaspora. Mais justement, on a écouté quelque chose d'assez ahurissant que on demanderait aux Camerounais de l'étranger de présenter une carte de résidence. La carte de résidence, c'est la carte qui est donnée par le pays d'accueil. Donc, je ne vois pas en quoi la carte de résidence viendrait confirmer la nationalité du Camerounais. Donc, avec ça, on a la conviction que quelque part, il y a des gens qui s'opposeraient à ces inscriptions-là. Et justement, maintenant, les uns l'ont dit, je crois, avant, qu'est-ce qu'il y a dans le logiciel de l'ECAM? Qui a confirmé, qui a certifié le logiciel de l'ECAM? Parce que le logiciel qui devait donner le résultat du vote devait avoir la... En fait, tous les partis prenants devaient savoir au moins comment le logiciel est constitué. Bon, si déjà il y a des voix qui s'élèvent pour dire on est en train de s'inscrire, mais le nombre reste... Ne reflète pas, ne refléterait pas la réalité. Cela veut dire qu'il y a... Donc, je crois que cela crédibilise la position de ceux qui pensent que... les inscriptions, le vote et tout ça, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Et on reste figé ou alors on souhaiterait avoir des résultats aussi rapidement comme ça a été le cas au Sénégal. C'est possible au Cameroun. Est-ce que ce logiciel-là pourrait avoir le résultat final au soir d'une journée électorale au Cameroun? Il n'y a que l'ECAM qui peut répondre à cette question. Mais l'expérience nous a montré jusqu'ici qu'on devrait encore attendre plusieurs jours pour avoir les résultats. C'est pour ça que certains pensent que la refonte du système électoral devait être préalable à ce mouvement d'inscription parce que nul n'est sûr de... en fait, de la suite qu'on donnera à ces inscriptions et au vote. Merci beaucoup, Hilaire Ramkoué. Nous allons sortir, mais nous vous permettons de vivre cette messe d'action de grâce qui a été dite à Yaoundé à la suite de la sortie d'hôpital du président du Sénat, Niat Marcel Niat. Reportage de Delphine Foncouténé. Infiniment. Pour ce que tu as toujours fait et pour ce que tu... Murailles de pasteurs dressées autour de Marcel Niat Diffendi et son épouse, hommes et femmes en robe noire invoquent le Tout-Puissant. Grâce et gloire soient rendues au Seigneur pour la santé recouvrée par le président d'honneur du comité des sages de l'Église évangélique du Cameroun. Sachons-le, il est souverain, il est le guérisseur par excellence et quand tu mets l'as de ton espérance... sur le Christ et Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, quelle que soit la gravité de la maladie, quand il est dit, la chose se réalise. Sénateurs, députés,
directeurs généraux, nouveaux et anciens membres du gouvernement, du beau monde présent à ce culte d'action de grâce, célébré par le président de la région synodale Centre-Sud 1, en présence d'un parterre de pasteurs de l'EEC Lankak. Vous savez qu'il a été malade, il est revenu en santé, donc nos vœux ont été exaucés. Donc on ne peut que remercier le Tout-Puissant pour cet œil bienveillant qu'il a sur notre famille et nous prions pour que ça continue. Le président du Sénat, à la fin du culte, reçoit une poignée de main de chacun de ses convives, lesquels se retrouvent dans un autre décor tout à côté pour les réjouissances. Célébration qui donne de voir chrétiens et musulmans se déhancher pour la gloire du Seigneur. Eh bien, des images qui font chaud au cœur, des musulmans dansant sur des chansons chrétiennes. C'est l'intégration nationale, c'est l'unité nationale, c'est le vivre ensemble. Votre mot de fin, Hilaire Amkoué, nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition de la rétro. Donc, le mot de fin, bon, c'est, on aura beaucoup de choses à dire, mais il faut arriver sur le fait que la société doit comprendre que la presse est la chose sans laquelle aucune société ne peut fonctionner. Parce que la presse est la lanterne de la société. C'est la presse qui attire l'attention des uns et des autres. Sans méchanceté, sans rancune et sans haine sur ce qui se passe pour que des bonnes décisions soient prises. Donc, on le dit souvent, au niveau du syndicat national des journalistes, la presse n'est pas le problème, la presse fait partie des solutions. Et quelles sont les mesures que prend le SNJC pour assainir le milieu? Parce qu'on a beau tirer sur le gouvernement, les patrons de presse, mais que fait le syndicat pour que les journalistes soient clean au quotidien, non, dans la pratique? Déjà au niveau de la pratique, on a depuis 2 ans, essayer de nettoyer le fichier, c'est-à-dire de permettre que les membres du SNJC aient quand même un certain bagage, c'est-à-dire que leur statut soit clairement identifié. La deuxième chose maintenant, c'est qu'on se batte pour que cela soit dans les meilleures conditions pour, je crois que la... Ça va faire que ceux qui n'ont rien à voir avec cette profession-là iront chercher ailleurs. Merci beaucoup. Vous contribuez à limiter la porosité qui existe dans la corporation où on a du tout venant. Et le mélange crée parfois des confusions. Hilaire Amkoué, secrétaire général du syndicat national des journalistes du Cameroun, était l'invité de cette édition de la rétrospective de l'information. Nous vous disons merci d'avoir consacré tout ce temps pour nous édifier sur la pratique du journalisme au Cameroun et notamment les défis liés à la liberté de la presse. Au Cameroun, je rappelle, vous êtes journaliste depuis 40 ans, 1984. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est avec un immense bonheur que nous vous avons servi cette émission de la rétrospective de l'information ce dimanche. Le rendez-vous pour la rediffusion, ce sera lundi à 9h. Tous les dimanches à 9h, prenez rendez-vous avec l'émission La Rétro, le programme qui vous permet de revivre l'actualité qui a marqué la semaine. Avec le même bonheur, je serai avec vous dimanche prochain. S'il plaît à Dieu, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. C'est 24h sur 24. Allez, au revoir.